Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les toutes dernières pédales de chez MacPed, les Enduro 2. Alors, déjà, un grand merci à tous ceux qui suivent la chaîne. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, liker et partager, ça fait super plaisir. Alors, pourquoi je vous montre ce produit-là? Parce que voilà, on me l'a envoyé très récemment et j'avais déjà l'ancien modèle, donc le modèle Enduro 1. Voilà, celui-là que vous connaissez déjà. C'est un super bon modèle. Moi, c'est des pédales que j'ai vraiment beaucoup appréciées parce que j'étais vraiment en sécurité quand j'ai roulé avec. Il y avait une très très bonne accroche au niveau de la pédale. Après, c'est vrai qu'elles étaient un tout petit peu lourdes, mais franchement, ça se ressentait pas du tout. Donc voilà. Donc là, maintenant, sur ce modèle-là, on retrouve toujours le même au niveau des picots, c'est la même chose. Hein, donc comme ça, au niveau de l'accroche, c'est vraiment top. Il n'y a que le petit, au niveau du changement. Donc là, avant c'était des picots qu'on vissait, il y avait deux tailles. Hein, donc à l'avant on mettait les plus longs, à l'arrière les plus courts, et ça se vissait directement en dessous. Là en fait, sur les nouvelles, ils ont donc, vous voyez, des petites clés Allen qu'on peut visser. Et en fait, il y a directement les deux tailles. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il y a les deux tailles, c'est-à-dire que le côté long, ça va à l'avant, le côté court à l'arrière, ça change pas. Mais franchement, c'est beaucoup plus pratique comme ça de le visser. Même si c'est abîmé au-dessus, hop, en le retournant, on peut le visser et dévisser, c'est pas un problème. Donc ça, c'est déjà un super bon point. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur ces pédales? Le poids. Sur les anciennes, donc avec les picots, on était dans les 300. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Et on était déjà à 300 grammes, 301, 302 grammes. Sur les nouvelles, vous allez voir la fonte est spectaculaire. Hein. Il y a quasiment 70 grammes en moins par pédale. Donc c'est énorme. Franchement, ça se ressent. Déjà, quand vous les avez dans les mains, vous sentez tout de suite qu'elles sont beaucoup plus légères. Ensuite, vous pouvez voir au niveau du travail de la pédale, elle a vraiment été affinée hein, par rapport à l'autre. On peut voir tout de suite. Hein. Voilà, c'est beaucoup plus fin. Les pédales, voilà, c'est un rendu qui est vraiment magnifique. Au niveau donc de l'avant de la chaussure, quand vous posez votre pied, ça c'est pareil, cette partie-ci a été élargie. Donc ce qui permet d'avoir une meilleure accroche au niveau du pied à l'avant et donc plus de stabilité. Sinon, niveau packaging, c'est quasiment la même chose. Hein. On retrouve à l'intérieur donc un jeu de cale, donc des vis supplémentaires au niveau des picots, des petites clés Allen pour le réglage. Donc le réglage de l'aimant, donc c'est toujours pareil, hein, 150 newtons ou 200 newtons. On peut régler la force de l'aimant par les petites clés Allen en le vissant ou le dévissant. Et donc on a deux jeux de vis pour les donc pour les cales, pour les chaussures de tailles différentes. Et puis sinon voilà. Sinon voilà, bah écoutez, on a fait le tour par rapport à ces pédales. Si vous avez des questions, bah, vous n'hésitez pas. Hein. Moi voilà, ce matin j'ai été roulé avec pendant au moins pas loin de 3 heures. Et franchement, j'ai vraiment apprécié de rouler avec ces nouvelles pédales. On sent vraiment la différence par rapport au modèle 1. N'hésitez pas, donc comme je disais, si vous avez des questions. Après, si vous voulez plus d'infos sur les pédales, n'hésitez pas à regarder sur le site de MacPed. Une petite chose que je n'ai pas parlé, l'axe de la pédale a été renforcé. C'est ce qui permet en fait, voilà, s'il y a des personnes qui sont, moi je fais déjà quand même un peu plus de 100 kg, les pédales supportent très bien, j'ai pas de soucis. Maintenant, l'axe a été renforcé, ce qui permet de mettre plus de charge sur le, donc sur les pédales. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à liker, partager. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Salut !